Elle cultive des produits vivrières chaque année dans cette ancienne nécropole de Pointe-Noire. Ces femmes que notre rédaction a rencontrées sur le lieu disent qu'elles ont obtenu la permission de leur chef du quartier. Depuis l'an 2012. C'est le chef de quartier qui nous a autorisé de planter nos ingrédients depuis 2012. Nous demandons l'indulgence de la mairie qu'on récolte nos produits qu'on a sémés. Si on n'était pas sur les lieux, il y aurait toujours insécurité. À l'époque, il y avait des gens de mauvaise foi qui faisaient du mal aux populations de Maurice. Mais depuis que nous sommes ici, il y a maintenant la sécurité. La population. Ignorant la loi, elles disent contribuer à l'assainissement de l'environnement.